tient le coup. Oui. Trois mots. Comme d'hab, quoi. Toujours des réponses de trois mots. Comme sur tes cartes postales. Où ce sourire? Le petit sourire. Écoute, arrête. Ils ont réussi à te parler? T'as eu Suzanne plus tôt, non? C'est qu'ils veulent te parler, ils ont des choses à te dire, t'es pas bête. Et là, c'est possible, alors ils vont en profiter. Ils vont en profiter comme les gens qui savent pas combien la prochaine fois. Suzanne. Elle connaît rien, la pauvre. Tu connais pas toi, tu connais pas grand-chose. Bon, elle t'imagine bon à travers ce qu'on raconte. Mais Antoine, lui, c'est comme il connaît les choses, à sa manière. Le problème, c'est que... Ben, on a peur du temps, quoi. Le temps que tu nous donnes. Et puis moi, je me fais pas d'illusions. Je sais que tu traîneras pas longtemps. C'est très bien comme ça. Mais t'es là. Alors, pardonne. Pardonne parce que... ils vont... comment est-ce qu'on dit? Être... abrupt. Ou maladroit. C'est pas grave. Je les imagine aujourd'hui. Oh là là. Te poser leurs questions et toi, tes deux, trois mots, ton petit sourire, fidèle à toi-même. Qu'est-ce qu'ils seront déçus. Peut-être que je n'ai pas que deux, trois mots à vous répondre aussi, Martine. Peut-être que j'ai deux, trois mots à vous dire. Oh, la chance. Là, je te taquine. Mais ce sera pas assez, Louis. Suzanne, ce sera pas assez jusqu'à la prochaine fois. Inutile de te demander quand. Et Antoine, lui, il sera plus dur encore. Encore plus perdu à ton sujet. Suzanne voudrait partir, elle te l'a dit, j'imagine. Aller vivre une autre vie, là-bas. Loin, évidemment. Et Antoine voudrait plus de liberté. Je le sens. Il voudrait ne plus rien devoir. À qui, à quoi, à tout le monde, j'imagine. À moi, surtout. À Suzanne, je parie. C'est à toi, Louis, qui veulent parler de ça. C'est comme si qui voudrait te demander l'autorisation. Et je sais que t'as jamais voulu prendre de responsabilité. Je te demande rien. Je suis pas l'aîné, Martine. Je ne suis pas le substitut paternel, juste. Ah non, arrête tes conneries, Louis. Arrête. Fais pas semblant, quoi. Pas une question d'âge. Utilise ta tête un peu. Enfin, tu vois bien, quoi. Y a pas que l'âge qui fait qu'on est l'homme de la maison dans la vie. Moi, je l'étais chez moi quand j'étais petite. Alors, la stature, le salaire, la chance, la beauté, les dons, le courage, les belles choses qu'on a, les choses qu'on est avec ou qu'on est sans. Tu veux que je te fasse un dessin? C'est qui l'auteur? Tu reviendras pas, je sais. Encourage-les. Personne n'a jamais fait. Enfin, moi, si, mais moi, personne m'entend. Moi, quand je parle, c'est du vent. Encourage-les, Louis. Autorise-les de faire telle ou telle chose. Tu dis à Suzanne, même si c'est pas vrai, hein, même si c'est une promesse comme ça qu'on sait qu'on la tiendra pas, mais tu lui dis, Suzanne, mais pourquoi tu viendrais pas deux, trois fois l'an me voir? Qu'elle peut. Qu'elle a le droit.